Bine v-am găsit la un nou video. Astăzi suntem la sală, facem un mic antrenament, puțină mișcare. O sesiune de box, învățăm să dăm niște pumni, să luăm niște pumni. Nu mi-e cald cu dinții în gură, dar suntem motivați să facem niște fotografii faine, un video fain și așteptăm să vină antrenorul de box și apoi dăm drumul la treabă.
C'est bon alors. Bon. Ouais. On est parti, première partie d'abord t'es gaucher ou droitier? Droitier. Et plus fort du bras. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre ta jambe gauche devant. On est là. Dans cette enceinte là, ta jambe gauche devant. Ce que tu vas faire aussi maintenant, c'est prendre appui, tu dois descendre sur tes jambes. Comme si tu t'asseyais. D'accord. Okay. Ça c'est la première étape. Tu mets un peu plus de poids sur ta jambe arrière. Voilà, un peu plus de poids sur ta jambe. Okay. Au niveau de ta garde, c'est la position de tes mains. Okay. Tu mets, tu serres tes coudes. Tes coudes droits là. Tu dois serrer tes coudes pour protéger ton corps. D'abord, tous les coups. Je suis prêt. Hein. Toi t'es prêt? C'était pour voir ça. Donc voilà, donc maintenant on va essayer de frapper au sac. Tu es ici, tu vas faire hop. Tu tournes vraiment ton épaule, tu tends la gauche. Fais ton petit pas. Regarde tes jambes, elles sont trop proches. Essaye d'avoir une bonne distance où tu as l'équilibre, où tu maintiens ton équilibre. Voilà. Vas-y, on est parti. Voilà. Maintenant ce que tu vas faire. C'est difficile qu'on n'a pas l'habitude. Attends, t'as pas vu la droite, hein? La droite, c'est... Pas la droite, c'est ça, tu mets KO. La droite, tu déchires le sac. Voilà. Tu déchires le sac. C'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que... Tu vois, c'est vraiment ça. Essaye vraiment d'être stable au niveau de tes jambes. D'abord, ramasse des coups. Tu es en contact, donc ça veut dire qu'on va te pousser. Il y a beaucoup de chocs, beaucoup de bam, bam, bam. Tu vois? Et donc, tu dois pouvoir être là. Et je bouge, je descends. Tu vois? Ça, c'est parce que si je tourne mes jambes. Si je suis comme ça, je sais pas descendre. Voilà. Mais je suis là, sur mes jambes, je sais descendre pour éviter, je sais bouger, je sais rester stable et tout. On ne pousse pas, tu vois. Hop, je reste stable, je ne pousse pas. Ok ? Garde les coudes bien serrés, protège toujours le visage, truc de base, voilà. Écarte un peu plus tes jambes encore. Voilà. Tu mets ta gauche. On va passer à la droite. À droite, c'est gauche-droite. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Tu vas à la droite, hein, ça vient de loin. C'est, hein, déjà, ça... c'est déjà mieux. Même la droite, c'est la même chose. Hein. T'as fait. Comme ça, ici, tu dois faire le mouvement le plus court possible. Comme ça, tu perds en amplitude. Tu vois, tu fais plus. C'est trop ample, donc le pied, on va généralement le voir. Voilà. Plus court. Si je fais ça, je fais de... Voilà. D'accord. Donc, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Les mains bien hautes. Quand t'as plus, tu me dis, hein? Quand t'as pas plus, tu me dis, hein? Ah! Bon. Ah, et donc, au niveau de la garde, je tiens toujours comme ça. Ici. La garde. C'est parti, hein? C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est fatigant. C'est important de bien se lever. Hein? Non, mais c'est bien, c'est pour toi, c'est pour ton poignet. Ah ouais, si je me casse le... Ouais, tu casses le poignet. Je t'aime pas, demain c'est fini. Hein. Faut surtout bien, quand tu mets tes coups, bien casser ton poignet pour nous. Si tu restes droit, tu risques de te faire mal au poignet. Tu vois. Mais je reste droit ou je reste en... Non, il faut essayer de casser ton poignet un peu quand tu mets tes coups. Si tu gardes ton poignet comme ça, tu vois, ou comme ça, tu vois, faut essayer de... Donc je ne mets pas droit, je mets un peu... Ouais, tu casses un peu. On va voir. Donc c'est quoi? Attends, je vais voir. Position de base. Donc ta gauche, voilà. Voilà. C'est ça? Voilà. C'est bien? Voilà. Oh là, la technique le prix, hein? Dis. Voilà. Voilà. Essaye juste de moins te jeter. Ne fais pas ça. Casse-la. Voilà. Nous d'accord, ça tu décartes avec moi. C'est bien, il a dit qu'il a fait du karaté, c'est normal. Ouais. Ouais, ça fait. Ouais, mais tu les as encore un peu. Ça fait combien? Ça fait 25 ans que tu fais du karaté. C'est fait. Hein? C'est fait. Ben voilà, à l'école, j'ai cassé des têtes. Voilà. En plus, c'est un bagarreur dans l'âme. Ouais, ouais, voilà. Poste, comment faut ședința d'entraînement de la boxe, Denis? Super tare. Ne-am antrenat cu sacul de box. Am învățat să dăm niște pumni, am luat niște pumni. Denis mai are din singură. mai am loc și de unul aici. Unul în mijloc. Cam asta a fost video de astăzi. Mulțumesc lui Denis pentru ajutorul pe care mi-l oferă la filmat. Eu magician. Mersi a Jims pentru la permisiune. Adică mersi pentru că ne-a lăsat să-l filmăm în sala de sport, da? Asta a vrut să zic el în franceză. Dar nu mai rămâne pe jos, că e fain. Vezi, mergi pe jos. Cum a fost ședința?
Cum a fost antrenamentul la box, frate? Super tare, mă doare un pic spatele, de la stabilizatorul ăla, nu știu. Bienvenue à la préverbio. Ça s'énervait pour toi. Voilà. Et tu fais. Elle est bien celle-là.